Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans la Selmer 607 School avec aujourd'hui Monsieur Noé Reinhardt, Je suis là. en chair, en os, le gentleman du jazz manouche, le roi du calembour, l'élégance. Noé, très content de passer ce moment avec toi. On va commencer, si tu veux bien, avec une petite interview de présentation, qu'on en sache un peu plus sur toi de manière assez factuel. Genre, tu as quel âge? J'ai 38 ans. Tu mesures combien? 1m80. Tu pèses combien? 80 kilos. Ah, tu censures pas Non, ça? mais leur taxe là. Hors taxe. Ok. Est-ce que tu te souviens, Noé, quand tu as commencé la guitare? Oui. Non. Je me suis. T'avais à peu près quel âge? 12-13 ans, pardon. T'as pas commencé Non. plus tôt dans la Non, famille? non, non, non. J'ai des guitares, des photos et des guitares, mais j'en jouais pas. C'était juste C'est pour pour la pause. décorer, pour décorer. Voilà. Non, mais j'ai grandi avec une guitare dans les mains, mais j'en jouais pas. Et donc à 12-13 ans, comment tu commences la guitare? Je fais ça. Les accords de base. Mais Et pourquoi après. les accords folk, justement? Ben il y avait moins de doigts à mettre. Ouais. Voilà, c'était moins compliqué que ça. Ou ça. Moins. Plus pratique. Donc ça, après j'ai fait ça, après j'ai fait ça. Après j'ai appris celui-là. Celui-là, je me suis rendu compte que je pouvais le mettre là. Donc ça faisait un do. Après j'ai dit, tiens, c'est pas la peine que j'aille jusque là. Enfin, ça change, je peux faire ça. T'as compris tout ça tout seul. Oui. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu as appris des positions de base. Moi, j'appelle ça les accords à papa. Mais les positions de base qui donnent un peu plus de musique folk, chanson. Ça a pas été ta culture de disque. Pourquoi tu as appris ça? On va dire que. Je veux dire, enfin, moi, je sais pas. J'imagine, tu es dans ta caravane, tu as les cousins, tu as les oncles qui jouent un peu de Oui, mais guitare. Ils jouent pas ça. non, mais eux, ils avaient des accords, tu sais, ils avaient des accords plus compliqués qui faisaient genre ça, ou pour les plus modernes, ils faisaient ça. Ben moi, ça faisait trop de doigts à regarder, puis bon, j'avais pas le temps, j'avais pas que ça à faire à apprendre à mettre les doigts. Mais voilà, j'ai pris ça Ok. et c'est parti là-dessus, voilà. Vous allez apprendre plein de choses, et moi aussi. Donc, tu apprends ces petits accords folk. Est-ce que tu te souviens comment tu as travaillé? Comment tu as progressé, si tu as le souvenir d'avoir un peu passé des paliers? Ouais. Si tu peux nous développer ça, s'il te plaît, Noé. Comment j'ai passé les paliers? J'ai passé les paliers en apprenant des chansons. D'où ta grande culture pop? Pas spécialement des chansons, mais bon, c'était peut-être un petit peu plus facile pour moi. Il y en a qui ont d'autres qualités. Moi, c'était l'apprentissage. Voilà. T'as appris vite, tu veux dire. J'écoutais quelque chose à la radio. J'arrivais chez moi, je prenais ma guitare, j'avais tout compris. Et ça s'est fait parce qu'en 2 minutes, j'ai compris que ça, par exemple, ça c'était un sol, là. Après c'est un là. Après je suis ailleurs. Voilà. J'ai compris que c'était inverse, en fait. Par exemple, ça le plus, ça le moins. Je me suis fait comme une route en allant faire demi-tour là-bas, en revenant. Par exemple, là, en revenant sur la route. Tout simplement, et j'ai compris que le Fa faisait pareil avec le Si bémol, et le Mi faisait pareil avec le La. Bon, ça, je l'ai compris on va dire, en très peu de temps. Ok. C'était vraiment facile pour moi de comprendre ça.